Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale. Et aujourd'hui, comme vous pouvez voir à l'écran, nous sommes 292e mondial et l'objectif de cette vidéo, c'est de remonter dans le top 200 bien sûr, mais pas juste le top 200, je vise minimum le 180 plutôt. Alors j'espère qu'on va pouvoir réaliser cet objectif-là dans cette vidéo et en même temps, je voulais utiliser notre meilleur deck, notre deck Zabet, mais avec cette fois-ci la Valkyrie. Donc je vous ai montré déjà quelques vidéos comme la meilleure modification pour le deck qui est la Valkyrie, mais je vous ai pas vraiment donné beaucoup de gameplay avec la Valkyrie jusqu'à maintenant. Alors je me dois de faire cette vidéo contre en ladder pour vous montrer comment on joue la Valkyrie, comment elle est très utile, que ce soit en super défi ou en ladder. Alors pour commencer, on va commencer avec monsieur Alperen Reyes du clan Sati Kati 2. Et lui il a 6003 trophées. Alors si on gagne cette game-ci, on devrait réussir à gagner au moins 35 trophées. Ce qui est très bien pour un bon commencement de la vidéo. Mais il va falloir le battre bien sûr. Alors on va commencer ici contre une petite princesse pour temporiser un tout petit peu contre le Bullis. Le Bullis qui va pas être supporté jusqu'à maintenant. Donc voilà, il va jouer la boule de feu. Alors, au début, je pensais que ça pourrait être le deck de Lolorob, mais finalement, ce ne l'est pas, parce que ben Lolorob n'a pas la boule de feu dans son deck. Mais finalement, je pense que c'est un deck qui est là vraiment pour contrer les cochons royaux, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, les cochons royaux qui font une très grande apparence. Mais là, remarquez ici que juste son électro-sorcier, son zap, plus sa boule de feu. Donc je vais essayer de tenter avec un mineur hors de gargouille ici, pour voir s'il réussit à prendre notre... si on réussit à garder sur sa tour, mais malheureusement non. Il va jouer un géant qui va vraiment bien contrer tout ça. Alors là, je vais recycler à une Valkyrie pour défendre le géant plus le mini P.E.K.K.A. Mais je pense que j'aurais peut-être dû juste zapper contre tout ça et ça aurait été correct. Mais c'est pas grave, au moins on va pouvoir contrer la Night Witch ici avec un coup de Valkyrie. On va quand même devoir mettre malheureusement notre princesse du côté opposé parce que sinon, sa Night Witch prendrait quelques coups sur notre tour. Déjà les chauves-souris prennent un ou deux coups, trois coups. Donc ok, c'est bon. Là la Valkyrie qui n'est pas en rotation, alors on va pouvoir jouer notre Horde de Gargouille, je crois que, ouais, ce serait le meilleur play à faire, je pense, parce qu'il va avoir, il va devoir jouer un sort, voilà, il va jouer une boule de feu, ce qui va quand même nous avantager, parce qu'on a quand même un deck Zap Bait, et là, on va essayer de faire un petit push mineur, plus le Gang de Gobelins, pour voir ce que lui, il va jouer, il va sûrement jouer un Mini P.E.K.K.A. ou un Électro-Sorcier, okay. Donc c'est dans ces situations-là, je suis pas sûr si je devrais zapper. Je pense que non, parce qu'on va réussir à gratter très bien sur sa tour, mais là, il va jouer une pompe. Alors, je vais jouer ici mon fut de gobelin sur la pompe, et je vais aussi envoyer ma horde de gargouille, comme ça, yes, voilà, il va devoir mettre beaucoup de pression dessus, et le mini P.E.K.K.A. qui va mourir instantanément, et on va pouvoir justement le forcer une petite boule de feu, ce qui est vraiment bien pour nous, et là, remarquez, je vais jouer mon gang de gobelins un tout petit peu avant mon mineur, comme ça, voilà, c'était très bien exécuté. C'était pour justement tuer le boulis au cas où il le mettait. Sinon, ça aurait été le contraire. Le boulis aurait tué les petits gobelins avant. Et là, je vais devoir jouer la Inferno Tower. Si il zappe, je vais devoir jouer l'art de gargouille. Mais ok, c'est bon. Il va zapper. On va jouer l'art de gargouille ici qui devrait être vraiment correct pour cleaner aussi le petit électro-sorcier. Je vais pouvoir jouer un fût de gobelin pour encore mettre de la pression. Mais là, la Nightwish qui va être derrière. Ok, donc là, il défend quand même assez bien. On va jouer la princesse, il va jouer assez agressif ici avec l'électro-sorcier plus le géant, la Night Witch qui est derrière, le mini P.E.K.K.A. en plus. Donc là, on va, je pense, avoir quand même une belle défense. On va pouvoir quand même... ouais, c'est ça, parfait. On va quand même très bien défendre ici. Et je vais faire la même technique, un petit push avec notre fût gobelin plus notre Horde de Gargouille. Il va encore mettre son électro-sorcier pour défendre notre Horde de Gargouille, ce qui est quand même assez malheureux, mais c'est pas grave. Donc il va commencer avec une Night Witch, il va continuer plutôt avec une Night Witch. Je joue ici une Valkyrie un peu plus loin, ça devrait être parfait comme placement. Et là, voilà, je joue mon mineur un peu plus devant parce qu'il devrait jouer... Yes, parfait, son mini P.E.K.K.A. derrière. Alors on va pouvoir gratter quelques coups de plus avec notre mineur plus nos gobelins. Et là, notre Horde de Gargouille qui va se faire tuer. Je vais devoir jouer sur notre gang de notre fut de gobelins. Mais remarquez ici que sa tour de gauche est vraiment plus basse que nos deux tours. Voilà, donc je suis super content pour ça. On va essayer de faire encore une fois un petit mineur plus le gang de gobelins.
On va s'abstenir pour le zap. Je vais ici défendre. Je joue la horde de gargouille. Et là, il va devoir choisir quoi zapper. Nous aussi, on va zapper. Parfait. Parfait. C'est super. C'est vraiment super, les gars. La princesse qui est du côté droit, qui est en train de shooter encore aussi. Et là, ça va être... Ça va être une belle finition. Je pense qu'on a la game dans la poche. Je vais essayer de jouer le mineur plus le fit gobelin. C'est peut-être un peu trop agressif. Mais... Ok, c'est bon. Il va jouer ça. Je pense que... La Valkyrie ici, c'est un peu risqué. La Valkyrie qui va... Ah non. Ici, par contre, c'est vraiment une mauvaise... Ok, là, je vais devoir jouer la princesse derrière. Je vais devoir jouer assez agressif. Sinon... Ok, parfait. Ça va être chaud, les gars. Un petit zap. Oh! Ouf! Ok, parfait. Donc, finalement, on réussit à gagner cette game-ci. Même si je dominais tout le long. On avait un peu de difficulté à la fin, c'était très très chaud. Donc je vais quand même ouvrir le coffre et nous sommes maintenant 246e dans le monde, ce qui est très très bien. Il manque quelques games et on a quand même gagné 36 trophées, ce qui est vraiment bien pour le road to top 170, top 180. Alors voilà, on va être comme monsieur du clan Epic Shocks et on va voir ce que lui, il va jouer. Mais lui, c'est très malheureux pour lui, il a 5999 trophées. Alors, on va essayer de voler ses trophées. Donc, voilà. On va jouer notre fil gobelin. Il va zapper, ce qui est très ordinaire. On va jouer notre Goblin Gang. Et là, il nous sort une petite pompe. Alors là, je pense que c'est du golem, vu qu'il joue zap plus pompe plus aussi dragon de l'enfer. Alors, je vais essayer de jouer notre horde de gargouille ici. Mais je vais forcer, parce qu'il va devoir jouer une tornade. J'ai peur de la tornade, surtout. Mais, ah, ok, c'est bon. Il a très bien joué. Il va jouer son Lumberjack. Alors, je vais juste zapper ici. Pour gratter un peu sur sa pompe. On a quand même pu gratter du côté droit, alors c'est vraiment super. Mais là, ce qui va être important, c'est de défendre son gros push golem qui va bientôt arriver. Mais on va lui mettre la pression avec la princesse. Il y aura sûrement une... Ok, voilà. Une méga gargouille. Je vais attendre avant de jouer la TDE. Oui, ça va contrer aussi la méga gargouille, mais je veux vraiment que notre TDE soit full vie. Quand on va la poser, et là, ok, le Cannon Cart, c'est correct, on a la Valkyrie pour ça. Et là, c'est une des situations où la Valkyrie, elle est vraiment mieux que la voleuse. Et on va pouvoir jouer la Valkyrie ici, qui va se faire focusser par la charrette à canon, plus le Baby Dragon. Et là, on va pouvoir défendre tout ça assez adéquatement. On va jouer le Gun de Goblin. Il va sûrement zapper, donc je vais devoir jouer moi aussi un zap. Et oui, on va quand même prendre assez cher. Mais je voulais vraiment pas jouer notre mineur, ça aurait été sûrement le meilleur play à ce moment-là pour encaisser le moins de dégâts possible. Mais je voulais pas faire ça parce qu'il y aura une pompe qui va arriver bientôt, potentiellement plutôt. Mais c'est bon, c'est pas grave. Ici, il a joué sa tornade plus le sort de zap, alors il devrait normalement pas avoir un bon counter à notre fût de gobelin plus notre mineur. Mais je joue la princesse devant, il va bientôt, voilà, poser son golem. C'est une ouverture aussi pour nous de jouer un mineur plus un fût de gobelin. Et là, il va devoir, défendre des deux côtés, c'est vraiment super. La méga gargouille qui focus sur le mineur, ce qui est encore plus cool. Et là, la princesse qui snipe encore sur la tour. On aura la Valkyrie qui va pouvoir défendre les golems. Et aussi, la charrette à canon, c'est ça vraiment ça le plus important. Il va zapper un peu trop tôt, tard, je sais pas. Et c'est ainsi, parfait, on va avoir une très belle défense, les gars. Mais là, il va jouer. Là, on va se permettre de jouer un mineur. Et on va avoir juste 25 secondes à défendre. Je vais jouer ici. Je vais cycler à la Valkyrie. Plus un zap. Parfait. Il va être vraiment, vraiment agressif. Alors là, je vais devoir jouer une horde de gargouilles sur tout ça. J'espère qu'il va pas jouer son Lumberjack tout de suite. Mais c'est pas grave. Au moins, on aura notre mineur. Ici, il va zapper. Je vais jouer notre mineur. Il va jouer. On va jouer notre gang de gobelins ici, et là ça devrait être GG, la charrette à canon aussi avec le sort de rage par contre. Je vais devoir jouer un zap, mais ok, c'est bon. On a pris la tour du côté droit, il est vraiment vraiment pas content, parce qu'on l'a empêché d'atteindre les 6000 trophées malheureusement. Mais c'est super pour nous, parce que nous sommes à 4 trophées des 6000 trophées. On va ouvrir ce coffre-là très rapidement, et nous sommes 208e dans le monde. Très bien. Avec la prochaine game, je pense qu'on devrait réussir à monter dans le top 2. En fait, on devrait réussir à monter dans le top 200 si on gagne la prochaine game. Alors, s'il vous plaît, un petit like si vous pensez que je suis capable et juste pour me soutenir dans ces games-ci. Si vous aimez, évidemment, les game ladders. Alors, voilà, je vais revenir quand la game va commencer. Ok, les gars, donc pour cette prochaine game, ce sera Whis du clan
Devlet Alive, ou Ali, je sais pas, mais lui il est déjà à 6001 trophées. Alors si on a réussi à lui voler quelques trophées, ça va être super, on va pouvoir monter 6000 trophées et aussi top 200. Ça serait vraiment vraiment génial. Lui il va commencer avec les flèches, ce qui est pas mal, c'est correct, c'est pas un bon mauvais chose, c'est correct. Et là, un gang de gobelins. Donc là, j'aurais peut-être dû zapper, mais là il a joué ses flèches, je pense. Alors, en tout cas, il y a peut-être au maximum, il y a une boule de feu et ça serait correct. Mais on va jouer essayer de faire un petit push mineur. Plus, oh, le bouliste et le gang de gobelins, ça risque d'être le deck de... Et voilà, c'est le deck de l'Olora à 100%. Et là, ça va être super parce qu'il a joué ses deux sorts. En plus, il a joué son bouliste qui est normalement un très bon counter à notre fuite de gobelins. Alors, on va réussir à gratter quelques coups sur la tour, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, on a déjà un avantage de 1300 PV sur sa tour. En plus, on va pouvoir gérer ça avec la princesse. Et là, je suis sûr à 100% que c'est le deck de l'Olorob. Et je crois qu'on va réussir à très bien gérer son deck si on joue notre Valkyrie adéquatement. Et c'est encore une fois... On va utiliser notre Valkyrie ici pour défendre. Mais en tout cas, c'est encore une fois un des match-up où la Valkyrie est vraiment mieux que la voleuse. Désolé, je suis un peu concentré. Mais voilà, c'est un peu mieux que la voleuse parce que la voleuse qui fait juste des dégâts sur une personne. Tandis que là, la Valkyrie qui a réussi à défendre vraiment bien le graveyard, bien sûr. Mais bon, là, on va réussir. On a réussi à gratter vraiment, vraiment bien sur sa tour. Et là, s'il joue ses flèches, ça serait vraiment génial. Mais sinon, on va réussir à gratter. Waouh, 500 coups sur la tour. Waouh, ok, je suis vraiment, vraiment impressionné. Alors là. Là, le Rob n'a pas vraiment de bon counter à la TDE, c'est drôle à dire, mais oui, il n'y a vraiment pas de bon counter à la TDE. Alors, on va pouvoir se permettre de jouer la TDE un peu plus haut pour, espérons, pouvoir tuer le golem. Mais là, ok, c'est un vraiment bon sort de gel, plus aussi le graveyard qui distrait la TDE. Donc, il est très 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 bien joué, mais on va quand même réussir à très bien défendre le push de Whis ici. Donc, on va voir si Whis réussit à bien gérer quand même le deck de le Rob autant bien que lui. Et là, on va pouvoir recycler à une deuxième TDE. Et il y aura aussi une Valkyrie plus quelques petits gobelins qui vont arriver. Mais c'est pas grave. On va se faire flécheter, mais c'est pas grave. On va jouer ici notre Valkyrie plus notre princesse de l'autre côté qui fait vraiment un bon boulot. Et là, elle va vraiment pouvoir sniper. Voilà, voilà. Tous les petits gobelins. Je vais même zapper ici pour être sûr. Mais même à ça, on a réussi à quand même... très bien géré tout ce push là, donc c'est vraiment vraiment bien pour nous. Il a joué ses flèches, je vais essayer de faire un petit contre-attaque de l'autre côté, voir si on va le... Ah, ok, il a quand même très bien joué sa Valkyrie, malheureusement on va pas faire le nombre de dégâts que je pensais. C'était peut-être une mauvaise idée finalement de défendre, d'attaquer de l'autre côté finalement. Mais bon, ah non, là en plus, là par contre je vais devoir... Ah non, j'ai dû jouer un sort de zap, je vais devoir jouer la Valkyrie, spammer mon gang de gobelins, il va sûrement jouer un sort de zap. Là, le bouliste qui va faire vraiment mal. Il va jouer ses flèches. Je dois voir jouer mon mineur défensivement. Et le bouliste qui va... Oh non, les gars. Oh non, j'ai peut-être mal joué. Mais... Attends, c'est pas grave. On y a joué ses flèches. Il a joué son sort de... Ok, je vais devoir jouer ça ici. Un petit... Ok, c'est bon. Oh, ok. Il a joué son bouliste. Je vais devoir jouer ici mon mineur pour tanker quelques gargouilles. Et j'espère que ça sera fini. Oh yes, parfait. Il n'y a plus d'élixir. Et c'est comme ça qu'on réussit à battre Monsieur Whis qui avait le deck de l'Olora, mais qui ne le maîtrisait pas autant bien que lui. Alors, on va gagner 30 trophées. Ce qui est vraiment super parce que finalement, on va avoir 6000 trophées. On va passer la barre de 6000 trophées. Et on va avoir, on va être top 170, top 162. Donc c'est vraiment, vraiment cool. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce petit rush ladder. Et voilà, on a atteint notre objectif. Alors pour ça, vous pouvez mettre un petit like. Donc voilà les gars, c'était la fin de la vidéo. Donc n'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ce sera à la prochaine.